J'irai vers l'autel du Seigneur, alléluia, près du Dieu de ma joie, alléluia. Oui. Quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur, et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur, alléluia, près du Dieu de ma joie, alléluia. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur, alléluia, près du Dieu de ma joie, alléluia. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur, alléluia, près du Dieu de ma joie, alléluia. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur, alléluia, près du Dieu de ma joie, alléluia. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tout au long de mes jours. Ne mettez pas votre foi dans les princes. Un fils de la Grèce ne peut sauver. Et dans le souffle, il retourne à sa Grèce. En ce jour-là périssent ses pensées. Heureux qui a l'appui du Dieu de Jacob et son espoir dans le Seigneur son Dieu. Il a fait le ciel. Justice aux opprimés, il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur rend les aveugles voyants, le Seigneur redresse les courbés, le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin, mais les tourne la voix des impies. Le Seigneur règne pour les siècles, ton Dieu au Sion, page en âme. Psaume 21. Tu as étendu les mains sur la croix.
silence, la nuit point de silence pour moi. Et toi, mon grand Dieu saint, qui habite les louanges d'Israël, en toi nos pères ont espéré, espéré tu les as délivrés. Vers toi, quand ils criaient, ils échappaient, en toi ils espéraient jamais en vain. Et moi, vers non point homme, honte du genre humain, rebut du peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Il s'est remis au Seigneur qui le libère, qu'il le délivre puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du sein, confié aux mamelles de ma mère. Sur tes genoux je fus jeté dès ma naissance, dès le sein de ma mère, c'est toi mon Dieu. Ne sois pas loin, proche et l'angoisse, au moins point de secours. Des taureaux nombreux me cèdent, de fortes bêtes de bas en m'encercle. Contre moi baillent leurs gueules, lions lacérants et rugissants. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Mon palais est sec comme un tesson, ma langue est collée à la mâchoire. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'assaille. Ils me percent les mains et les pieds, et me couchent dans la poussière de la mort. Je veux monter tous mes os, ces jambes toises me surveillent. Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien mon unique. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corde du taureau ma pauvre âme. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au soir de la Pâque, toi l'agneau immolé, tu as étendu les mains sur la croix. J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée je te louerai. Vous qui craignez Dieu, louez-le. Race de Jacob, glorifiez-le. Vous qui craignez Dieu, louez-le. Redoutez-le, race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné la pauvreté du pauvre, ni caché de lui sa face, mais invoqué par lui l'écouta. C'est toi ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que vive leur cœur au siècle des siècles. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Les familles des nations se prosterneront devant lui. Ô Seigneur, la royauté au même.
nations. Devant lui se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont ceux qui descendent de la poussière. Et mon âme vivra pour lui, ma race le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. Et sa justice aux peuples à naître. Telle est son œuvre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Au soir de la Pâque, toi, l'agneau immolé, tu as étendu les mains sur la croix. Cantique d'Ézéchias, page 280. Je disais, ne plus voir le Seigneur sur la terre les vivants. Jamais plus apercevoir un humain chez les habitants du monde. Mon foyer m'est arraché, éventré comme une tente de berger. Comme un tisserand, je croisais le fil de ma vie. On me tranche la trame. Des jours jusqu'à la nuit, tu m'achèves. Je suis prostré jusqu'au matin. On dirait un lion qui boit chacun de mes os. Comme l'hirondelle, je trisse. Je gémis comme la colombe. Mes yeux s'épuisent à regarder là-haut. Ô mon maître, sois mon garant. Dans mon épreuve, comment parler, que lui dire? Mais c'est lui qui agit. Je veux aller jusqu'au bout de mes années, par-delà ma détresse. Ô mon maître, ce que mon cœur attend de toi, c'est la vie de mon esprit. Tu me guériras, me feras vivre, et voici, ma détresse sera bien-être. Et toi, tu retiens mon âme devant la force du néant. Car tu as rejeté derrière toi tous mes péchés. Ils ne peuvent les enfers te rendre grâce, ni la mort te célébrer. Il n'y a plus pour qui descend dans la fosse d'espérance en ta vérité. C'est le vivant qui te rend grâce, comme moi en ce jour. Le Père apprendra à ses fils à connaître ta vérité. Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, amen. Psaume 98. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter, Alléluia. Tous les peuples.
célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint, lui est puissant. Le roi qui aime le jugement, c'est toi. Tu as fondé droiture, jugement et justice. Ô Jacob, c'est toi qui agis. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied. Lui, Dieu est saint. Moïse, Aaron, parmi ses prêtres, et Samuel, appelant son nom, on appelait au Seigneur. Et lui, Dieu leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Regardez ce témoignage de la loi qu'il leur donna. Lui, le Seigneur et leur Dieu. Seigneur notre Dieu, toi tu leur répondais. Dieu de pardon que tu étais pour eux. Mais tu te vengeais de leurs méfaits. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous devant sa sainte montagne. Saint est le Seigneur notre Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles, amen. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, alléluia. De Saint Grégoire de Nice au IVe siècle. Comment devenir pur? Le serment sur la montagne nous l'enseigne presque partout. Lisez les commandements les uns après les autres et vous découvrirez l'art véritable de la purification. Le Seigneur distingue deux sortes de péchés, celui qui paraît dans les actes et celui qui naît dans l'esprit. Dans l'ancienne loi, Dieu châtiait l'iniquité qui s'est manifestée dans les actes. Aujourd'hui, où il s'attaque à la seconde forme de péché, il promulgue une loi qui cherche non plus à punir les fautes accomplies, mais à détruire le mal dans sa racine même. Pourrait-on mieux prémunir du péché la vie humaine qu'en l'extirpant de la conscience? Le péché est multiple et divers. À chacune de ses faces, le Christ oppose comme une arme l'un de ses commandements. La colère est bien souvent le plus prompt de nos passions. Il commence donc par traiter un mal aussi impérieux et sa première loi est une exhortation à la douceur. Tu as appris dans la loi ancienne, dit-il, tu ne tueras point. Apprends aujourd'hui à chasser de ton cœur toute colère contre le tien. Puis il s'attaque à la sensualité et ses avertissements arrachent du cœur les attraits insensés de l'adultère. On s'aperçoit ainsi que le Seigneur corrige, un à un, tous les vices dans ses préceptes, opposant à chacun d'eux une de ses lois. Loin de tolérer que nous ripostions à l'injure, il exige même que nous l'acceptions. Il rejette la passion de l'avarice lorsqu'il ordonne que nous abandonnions à celui qui nous dépouille même ce qu'il n'a pas demandé. Il nous guérit de la lâcheté lorsqu'il exige que nous surmontions notre crainte de la mort. Bref, en tous ses commandements, vous verrez que le soc de sa parole arrache du fond de nos cœurs les viles racines des péchés
et qu'ainsi nous pouvons en finir avec ces moissons de rance. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps et tout entier ne s'en aille pas dans la gêne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Vous avez appris qu'il a été dit : Tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec convoitise, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Béni soit le Seigneur et Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, sur notre foi ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qui s'élève avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham, de nous donner la franchise de la crainte, et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort.
et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient c'est la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de tendresse, tu as fait communier l'évêque Saint-Landry à ton amour de prédilection pour les pauvres. Donne-nous de suivre son exemple en partageant sans compter avec nos frères ce que nous avons reçu de ta bonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.